Vous avez déjà fait ça ou pas? Non. Non. Ça se voit, non? Bah, moi, c'est Jérôme, donc gérant de la société Géoled qu'on a créée sur l'île il y a maintenant 3 ans. Et moi, c'est Adrien, du coup, associé de Jérôme, co-gérant de Géoled. Donc on a créé Géoled il y a 3 ans maintenant, suite à nos aventures professionnelles diverses et variées, où on a pu toucher, on va dire, à toute la panoplie de géomètres. Et il nous manquait, on va dire, un échelon à ça, c'était l'entrepreneuriat. Et à la suite d'un constat, on a décidé de se lancer dans le grand bain pour faire cette aventure. Parce qu'on a par le passé utilisé les deux. Donc Leica et Trimble, et qu'à l'utilisation, bah, nous on était plus à l'aise avec Trimble. Voilà, la gamme d'appareils nous plaisait bien, c'était pratique. Et puis Géotopo, bah, c'était une évidence parce que bah, pour la création, vous avez été présent, et c'est grâce à Géotopo que Géoled est né. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est vrai que au-delà de l'entreprise, on a choisi Géotopo pour, on va dire, l'accompagnement humain aussi. Et donc il y a eu un accompagnement naturel qui s'est fait dès le début, avant même que Géoled existe. Et nous, bah, voilà, c'est des valeurs humaines qui ont de l'importance pour nous. Et puis bah, les outils, ils nous conviennent parfaitement et on en est content. Alors on fait tout, on fait tout au niveau activité, mais principalement donc, on a été démarché en premier des architectes, qu'on remercie d'ailleurs Christophe Cook de l'agence A2CESA à Roubaix, qui nous accueille aujourd'hui pour faire la vidéo. Donc au début, on a surtout fait donc des plans d'intérieur, coupe, façade, donc d'où le choix du X7. Et après, naturellement, au fur et à mesure, on est amené à faire d'autres types de chantiers plutôt vers l'extérieur, des plans topographiques classiques, des relevés de rivières. Ça, c'est quand même une bonne partie de notre activité. Et clairement, on aime bien ce genre de mission. Et puis les petits chantiers du début, qui étaient les plans de coupe, plans de façade, bah, sont transformés en grands chantiers avec la cité administrative de Lille, où donc là, du coup, on a eu besoin de la station Total pour l'implantation, ou alors des relevés de casernes pompiers. Enfin, voilà, on a monté crescendo dans les dossiers, et crescendo, bah, on a aussi eu besoin de plus de matériel adapté, du coup. C'est une fierté, parce que quand on a créé l'entreprise, on ne s'imaginait pas pouvoir répondre à des chantiers aussi gros qu'on avait eu par le passé, en étant qu'à deux, alors que c'est complètement faux. On arrive à avoir des très gros chantiers, et à deux, on arrive, il n'y a pas de souci, on sait être aussi efficace, tenir les délais, être compétitif. Bah, depuis la création, on est amené à aller un peu partout en France, donc principalement dans le Nord, mais on voit aussi donc Marseille, Avignon, jusque Bordeaux, avec le TGV, ça se fait très bien. Je crois qu'on a même fait l'aller-retour sur la journée. Aller-retour, on fait tout le relevé avec le X7. On rentre, on n'est même pas encore arrivé à Lille, que le projet est déjà affiné dans le train. Et notre force de frappe, et ce qu'on vend aussi aux clients, c'est que bah, vu qu'on n'est que deux, ils ont un interlocuteur privilégié. On fait la compréhension du chantier, le chiffrage, donc on sait ce qu'on a chiffré et ce qu'ils avaient besoin, la prestation terrain, la prestation bureau, la livraison. Et le service après-vente. Et le service après-vente. Mais la fierté qu'on a, c'est que jusque maintenant, bah, on a eu zéro retour négatif. En trois ans de création, la plupart. Alors, quand c'est bien, on le dit rarement, mais ça nous arrive parfois de dire « Ah, c'était vraiment bien », et là, bah, on est content de travailler et de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Le top du top. Alors pour nous, au début, on a commencé par le scanner, le X7, couplé au GPS, le R12i. Donc au début, pour se mentir, on s'est dit, le prix était, on s'est dit, ah, c'est quand même pas donné. Et au final, après utilisation, on regrette pas du tout, et au contraire, on le recommande assez souvent. Et puis le R12i, clairement, le tester, c'est l'adopter, quoi. Comme il a dit, l'essayer, c'est l'adopter, et pour rien au monde, on reviendra en arrière, c'est quoi. Et si on peut revenir même par là, c'est toujours dans cet échange humain. Alors le peu de fois où il nous a manqué une station Total, Géotopo a toujours été là derrière nous, avec un, on va dire, un service technique
H24, j'ai appelé le lundi, voilà, on m'a demandé un devis, je l'ai fait, je sais qu'il va être validé. Est-ce que je peux avoir une station sous 24-48 heures? Il n'y avait jamais aucun souci. Et ça nous permettait du coup d'éviter cet investissement dès le début avec juste une partie location. On le fait tous les jours presque. On le fait tous les jours. Après, comme je dis, voilà, j'interviens aussi moi à l'université de Valenciennes où je parle aux étudiants de voilà, les appareils topo qui existent. Sans forcément nommer, je dis que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Nous, on a fait ce choix parce que clairement, c'est ce qui nous convient le mieux au niveau avantages, rapport qualité-prix. Et c'est pas si vieux, mais il y a encore un mois, on va dire, un confrère m'appelait pour me demander hey, Jérôme, t'as un R12i, toi, t'en es content Bah ouais, j'en suis content, ouais, parce que j'hésite, je dois racheter du matos, est-ce que ça va le faire ou pas? Moi, bon, j'ai vu une petite publication sur une clinique il y a 2 semaines. Effectivement, il est parti sur un R12i, quoi. Clairement, le mot à la fin, c'est merci pour l'accompagnement pour ces 3 premières années. Et puis, on espère pour plein d'autres à suivre encore. Pour le mot de la fin, c'est GEOLED. C'est pas GEOL 3D. Voilà, c'est juste ça.